connaissance de chacun de sa façon. Un tabaquito con ron, con con. Et voilà. Va chercher. Ah ouais, ouais, ouais. Service. Hop. Oh boy, oh boy. Il pète une semaine. Les gars. Ah, salut, toi. Bien? Oui, toi. Est-ce qu'il y aurait moyen d'accélérer? Hein? Parce que je suis un peu pressé, là, puis vous regardez jouer au badminton, c'est pas la chose la plus excitante. Ben là, voyons donc. C'est parce que je suis un peu pressé, tu sais. Ah, OK, OK, monsieur la vedette, non, mais là. Est-ce qu'on peut? Oui, oui, on peut. Monsieur est pressé, oui, non, on va arrêter de jouer, là. Hein? Bon, tiens, on va arrêter. Bon. Veux-tu une bouteille d'eau dans sa loge, la petite patate de boue? Oui, certain. Bon, de toute façon, on ne jouera plus, on va commencer le show, là. Ah, ouais. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Entre nous deux. Ce soir, on reçoit un gars qui se calisse carrément du badminton. Hein? C'est un homme toujours pressé qui veut de l'eau dans sa loge. Un hostie de fraîchier. Accueillez chaleureusement Paul Larcade! Oui! Arcade! C'est quand même sympathique. Oh, il arrive! Ça commence pas très bien. Ouais, c'est toi qui est pressé. On va y donner. On va y donner. Moyen de procéder. Et voilà! Alors, bonjour. Mon cher ami. Très heureux de vous recevoir, mais j'ai une question à vous poser. Oui. Comment qu'on se sent quand on vit en permanence avec un nom d'amusement? J'ai pas un nom de jeu, là. J'ai pas un nom d'amusement. Mais là, Paul Arcade. C'est amusant, un arcade, hein? Non, mais mon nom, c'est Arcade. T'as pas lu tes notes de recherche? Ouais, je les ai lues vite fait. T'es pas le genre à te préparer quand tu reçois des invités, là. C'est correct. Les nerfs, je me prépare. C'est juste que Arcade, c'est pas marquant, hein? Non, moi, je préfère Arcade, là. Pas l'arcade! C'est vrai? Oui! Bon, ben écoute, ça fait plaisir. On va fonctionner avec ça. Ben oui, on va t'appeler pas l'arcade. Hey, moi, j'ai une question, mon cher Nintendo. Je me demandais, vous avez réalisé le documentaire Québec sous ordonnance, hein, qui parlait de surconsommation de médicaments. Oui. Moi, ma question là-dessus, c'est... Tu es capable d'envoyer des plugs, hein, du stock pas cher? Mais tu penses à quoi? Là, t'as besoin de quoi? Ben, Quelque chose de fort! Non, mais... Donne-moi. L'affaire, il y en a un avec qui se pompe dans les baguilles, un genre de stuff. Ouais, hein, quelque chose, genre des pelules que tu peux écraser, genre du sniff. Ça va être défoncé. Non, ben, on va de quoi pour se défoncer le cerveau, quand même. C'est la réponse, là? Oui. Non. Hein? Non. Mais comment ça, non? Non. OK, mais. Bon. Non, c'est normal, là. Voyons donc, les jeunes qui écoutent à la TV. Mais mettons qu'on ferme la caméra, je te donne un vin, mettons. Regarde. Mets-toi ça ici, là. Ouais. Puis là, tu penses que pour 20$, on va trouver quelque chose? Oui. Puis tu veux quoi? Bien, c'est sûr, il y a quelque chose de fort, là. Du stock qui décape. Tu dois le savoir, Asti. T'animes pas ça à jeun, ton émission de radio? Tu dois être gelé comme une balle. J'ai-tu l'air d'un financier du Parti libéral? Je sais pas. Tu reprends ça, là, puis t'oublies ça. Okay? Je vais le reprendre, mais aller m'acheter de la gommette. Et, hey, moi, je pense à ça. Moi, j'ai une bonne question. C'est-tu vrai, ça, la rumeur, que ce serait vous, ce Marie-Jo Tario? Ben non, il n'y en a pas de rumeur, là. Ah, c'est confirmé d'abord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rumeur. Il n'y a pas de rumeur, c'est parce que ça confirme. Mais tu prends ça où? T'inventes ça où? Marie-Jo Tario! Non, c'est pas vrai. Ah. Bon, coudonc. Hey, mon cher Arcadius Paulus, Marcado, hein? Paul Marcado. Un nom de marché aux puces. Oui. Nous autres, on va t'envoyer à une question de un de tes fans. OK. Oui. On va écouter ça. Une chance que je t'ai, Raymond. Moi, j'ai une question. Quand est-ce que je vais mourir? C'est une vraie question. Très bonne question. As-tu une vraie bonne réponse? Non, je peux pas répondre à ça. C'est triste, là, mais je ne connais pas le monsieur. Puis en plus, donc, la question était un peu bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui est bizarre? C'est toi qui est bizarre, OK? Les cheveux tout grisonnants, monsieur s'appelle Paul. Un hostie de cinglé. Bon, t'es pas! Le cerveau, il a sauté à ce bonhomme-là. Ben, bat clic. Mais là, je suis pas obligé de me faire insulter, là. Non, regarde. Avant, tu pars, je te prépare un cadeau. Tu vas capoter, c'est juste pour toi. Attache-toi. Un cadeau, c'est sûr que... Voici ton cadeau. Le Félix... Ça valait peut-être la peine d'attendre. Oui, peut-être, tu vas voir, attache-toi. Le Félix pour le meilleur album alternatif de l'année. C'est-tu bien mérité? Qui doit être content, beau Paul. Mais là, c'est parce que c'est écrit ou c'est gravé le carquois, là. Oh, mais ça, c'est pas grave, ça. C'était une picochine. Non, oui, c'était un détail. Non. Tu as juste à dire au monde que c'est ton nom indien, Paul Carquois. Et voilà. Sors ton calumet.
pour l'album Le Plan Nord. Oui, ah, et voilà. Tout est fait, tout est fait. Ben, c'est oui, magnifique. Attends, tu vois, ta, okay, ta carrière musicale est lancée. Hein? C'est fantastique. Je te donne ça. OK, je sais pas. Ben, pourquoi? Parce que je m'en vais. Ça va où? Ça va au coup, Chris, aux dettes? Non, je quitte. Merci, ça m'a fait plaisir. Hein? Oui. Ben, non, non. Ah, oui, c'est assez, c'est confortable, votre chauffeur. Il y a de la à se lever. Merci. Ah non, ben là, regarde, c'est un plaisir. Correct, salut. T'as-tu vu, il y a eu de la misère à se lever? La caméra, c'est ça. Ça finit tout de même, ça? Ben ouais, ben oui, ben oui, Chris, ça fera pas une demi-heure les deux tout seul. Finit de même, certain. Même pas jouer au badminton en double avec Justin et Paul. En tout cas, alors, ben, mesdames et messieurs, merci d'avoir été dans notre antenne. Et puis, c'est Lydia Ndrolet qui vous dit au revoir. Et puis, dites-vous bien que ce qui se passe ici, ben, ça reste entre nous deux.